Super Truck. Waouh, Car City est magnifique ce soir. Bonsoir bébé Franck, comment vas-tu? Tu as hâte d'être à la fête du Nouvel An chinois de ce soir? Ça va être génial. Qu'est-ce que tu as trouvé, bébé Franck? Ah, ça? À minuit, tout le monde se rassemble ici et regarde les lanternes s'élever dans les airs. Mais nous devons attendre encore une heure, bébé Franck. Je ne pense pas que tu devrais appuyer sur ce... Oh non, bébé Franck! Oh, ça, c'était pas bon. Nous n'aurions pas dû appuyer sur ce bouton, bébé Franck. Bien sûr. Appelons Super Truck. Il est le seul qui peut intervenir avant minuit. Bonsoir, Carl. Tu es prêt pour le Nouvel An chinois? Eh bien, nous allons avoir besoin de ton aide avant. Bébé Franck a accidentellement lancé des dizaines de lanternes dans le ciel. Nous devons les récupérer avant minuit. Super. Tu vas te transformer en dragon. Tu es très impressionnant, Super Truck. Il est temps d'aller sauver le Nouvel An chinois. Ne t'inquiète pas, bébé Franck. Super Truck devrait arriver d'une minute à l'autre. Le voilà! Peux-tu trouver ces lanternes célestes? En voilà une! Mais comment vas-tu l'attraper? Oh, c'est très malin. Il y en a d'autres là-bas. Tu t'en sors très bien, Super Truck. Continuons comme ça. Tu devrais reculer un peu, bébé Franck. Juste à temps.
Je crois que tu peux appuyer sur le bouton maintenant, bébé Franck. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant. Bonne année tout le monde. Eh, tu as raison bébé Franck. Où est passé Super Truck? Regardez, c'est le clou du spectacle. Au revoir. À la prochaine. Carl, le camion transformeur. Bonjour Francis, que se passe-t-il? Oh oh, l'une de tes fourches est cassée. Comment vas-tu déplacer tout ça maintenant? Oh, tu dois finir ce travail aujourd'hui? Tu as vraiment besoin d'aide? Ne t'en fais pas. Nous allons demander à Carl, le camion transformeur, de te remplacer pour la journée. Je suis sûr qu'il va t'aider. Attends-moi ici pendant que je vais le chercher. Hé, Carl, réveille-toi, nous avons besoin de ton aide. Réveille-toi, gros dormeur. Francis, le chariot élévateur, a besoin de ton aide pour transporter des choses. Peux-tu venir? Super, alors allons-y. En quel véhicule vas-tu te transformer aujourd'hui? Bien sûr, en chariot élévateur. Il est temps de commencer ta transformation, Carl. D'abord, il faut retirer la benne et mettre le support arrière de charge. Ensuite, il faut attacher le mât, puis les fourches. Parfait! Tu ressembles quasiment à Francis. Maintenant, allons le retrouver. Regarde, Carl. Francis, le chariot élévateur, nous attend. Hé, Francis, regarde qui est ici. Super. Maintenant, au travail. Parfait. Carl, je vais te montrer où décharger les boîtes. Suis-moi. Tout droit, puis à gauche. Voici l'endroit de stockage. Oui, c'est ici que vont les boîtes. Allons-y! Superbe travail! Il n'en reste plus que quelques-unes. Bravo, Carl!
Parfait, nous avons presque fini. Tu dois toutes les décharger ici. Beau travail! Eh bien, le travail est terminé! Merci beaucoup, Carl! Tu es notre héros! Il est temps de rentrer à la maison. Au revoir, Carl! À bientôt! Super Truck. Bonjour Carl. Oh, as-tu vu le désordre sur le chantier de la nouvelle bibliothèque? Billy est là-bas. Bonjour Billy. Il ne peut sûrement pas nous entendre avec tout ce bruit. Bonjour Edgar. Bonjour Ethan. Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air inquiets tous les deux. Qu'avez-vous dit? Billy a un très gros rhume et devrait rentrer chez lui se reposer? Nous devons aller lui parler. Billy! Billy! Oh Billy, tu n'as vraiment pas l'air bien. Tu devrais être chez toi dans ton lit. Je vois. Après avoir empilé tous ces rochers, tu dois aussi déplacer ce tas de terre. Je sais que tu ne veux pas ralentir la construction, Billy. Mais ce n'est pas de ta faute si tu ne te sens pas bien. La bibliothèque doit ouvrir aujourd'hui, mais tu ne peux pas travailler si tu es malade. Très bonne idée, Carl. Nous pouvons appeler Super Truck à l'aide. D'accord. Billy, nous avons trouvé une solution. Rentre chez toi te reposer. Et ne t'inquiète pas, nous nous assurerons que le travail soit fait. À plus tard. Nous espérons te revoir en pleine forme bientôt. Maintenant, appelons Super Truck. Super Truck! Plus fort! Super Truck! Où vas-tu, Carl? Super! Ta grotte! Pour ta transformation! En quel véhicule vas-tu te transformer? Parfait! Un gros bulldozer puissant, exactement comme Billy! Ethan, Edgar, voilà Super Truck. Il va vous aider. Super Truck, peux-tu s'il te plaît pousser tous ces rochers pour en faire un seul tas? Oh,
C'est vraiment un gros tas de rochers à déplacer, n'est-ce pas? Tu es tellement grand et fort que le travail semble facile. Maintenant que tu as fini de déplacer tous ces rochers, Ethan a besoin que tu charges cette terre pour qu'il puisse la déverser sur la pelouse devant la bibliothèque. C'est là que nous allons mettre l'herbe et les plantes. Beau travail, les amis! Vous pouvez maintenant étaler la terre sur la pelouse. Et voilà! C'est splendide! Quel beau travail d'équipe vous avez fait! Regardez comme la bibliothèque est belle! Je pense que votre travail est fini maintenant. Non? Pourquoi ça? Parfait! Comme ça, tout le monde saura que la bibliothèque est terminée! Merci encore pour votre aide! À la prochaine! Super Truck! Bonjour Suzy! Ce sont de jolies fleurs que tu cueilles! Regarde, voilà Matt. Il est en train de pêcher. Salut Matt. Oh non, c'est horrible! Suzy est tombée dans la rivière! Matt, Suzy est tombée dans la rivière! Qu'allons-nous faire? Bonne idée, Matt! Appelle Super Truck, il saura quoi faire! Suzy a besoin de ton aide, Super Truck. Elle est tombée dans la rivière. En quel véhicule vas-tu te transformer, Carl? Je n'arrive pas à croire que tu t'es transformé en sous-marin. Vite, à la rivière.
Non, Suzy! Regarde, dans l'eau, c'est Super Truck! Super Truck pousse tout le sable dans la rivière pour libérer tes roues, Suzy. Il arrache toutes les mauvaises herbes. Il a réussi! Attrape cette corde, Suzy. Ouais, Super Truck a sauvé la situation. Et Suzy. Voilà tes fleurs, Suzy. Je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il faut faire attention quand on est au bord de l'eau. Merci Super Truck, à la prochaine! Super Truck! Bonjour les bébés voitures! Quelle magnifique journée pour jouer dehors! C'est génial que tout le monde puisse jouer ensemble avec le ballon. C'est tellement amusant. C'est un ballon qui rebondit bien. Oups, ce ballon est en train de vous échapper. Il se dirige vers la bouche d'égout. Oh non! Qu'allez-vous faire, les enfants? Vous ne pourrez pas récupérer le ballon. Ne vous en faites pas, les enfants. Ça, c'est un travail pour Super Truck. Les enfants ont besoin de ton aide, Carl. Leur ballon est tombé dans une bouche d'égout étroite et ils n'arrivent pas à le récupérer. C'est une mission pour Super Truck. En quoi vas-tu te transformer pour cette mission, Carl? Tout ça est très bien, Carl, mais... Comment vas-tu faire pour entrer dans la bouche d'égout? Waouh, Super Truck! Tu es minuscule! Tu es plus petit que les enfants! Maintenant que tu es tout petit, Super Truck, tu ne vas peut-être pas être aussi rapide. Regardez les enfants! Super Truck arrive pour vous aider. Regardez à vos pieds. Super Truck s'est transformé en un mini camion pour pouvoir rentrer dans la bouche d'égout et récupérer votre ballon. Cool, n'est-ce pas? Super Truck peut se transformer en véhicule de toutes les tailles, grand ou petit.
Génial, Super Truck! Tu as un bras mécanique! Tu l'as eu, Super Truck! Oh oh! Vite, bébé Tom! Attrape-le avant qu'il n'aille dans une autre bouche d'égout! Bon travail, bébé Tom! C'est tellement plus facile d'y arriver quand tout le monde y met du sien! Comment vas-tu sortir de là, Super Truck? Hourra! Tu es sorti de l'égout! Merci de ton aide, Super Truck! Tu adores jouer au ballon, tout comme les enfants, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à rester un peu pour jouer. Oh, tu as raison. Tu dois y aller, car un autre véhicule pourrait avoir besoin de toi aujourd'hui. Tu es amusant. Merci pour tout, Super Truck. À bientôt. Super Truck. Bonjour les enfants, quelle belle journée pour jouer au basketball. Vous voulez faire une partie? Oui? Passe le ballon, bébé Matt. Oh non! Est-ce que tu peux l'atteindre, bébé Tom? Non? Qu'allons-nous faire? Tu as une idée? Tu penses qu'on devrait appuyer sur le bouton et appeler Super Truck? Excellente idée! Bonjour Carl. Le ballon de basket de bébé Tom est coincé dans un arbre. Peux-tu venir et l'aider à le récupérer? Oui? Super! Une ambulance? Non? Ok, continuons de chercher. Es-tu prêt, Super Truck? Génial! Allons-y! Waouh! Les enfants vont adorer ça! Regardez les enfants, voilà Super Truck!
Pouvez-vous lui montrer où se trouve le ballon de basket? Le voilà! Peux-tu aider bébé Matt et bébé Tom à le récupérer? Et maintenant, Super Truck, tu veux que bébé Tom monte sur la rampe et qu'il saute sur le trampoline aussi haut qu'il le peut pour récupérer le ballon de basket? Ok, bébé Tom, es-tu prêt? Excellent travail, bébé Tom. Super Truck voudrait savoir si toi aussi tu as envie de monter sur le trampoline, bébé Matt. Vas-y alors, monte. Bien joué, Super Truck. À la prochaine.